Allez, c'est parti. 3S sur le Max 10 SCT à bord du granit full stock. Là, on va essayer de partir tout lentement. Ouais, tout mini mini cogging. Ouais, t'as vu cette différence? C'est plus brutal au démarrage, mais on a toujours, on est toujours, je dirais, à peu près pareil sur ce cogging. Peut-être un tout petit peu moins. Mais pas grand chose, hein. Allez, 50%. Tu vois, t'as toujours ce petit... C'est pas très grave, hein, parce que là, on est à plat. Là, il faut un petit coup de trim. Tu vois, c'est ce que je te disais, la roulette est trop basse et l'engin n'arrive pas à garder l'équilibre, il est obligé de forcer son wheeling. Ce qui force énormément sur la transmission, évidemment. Yeah! Ça compte, caramba! Alors là, plus de cogging du tout, tiens un tout petit peu. Alors là, j'ai bien fait de lâcher le frein parce que sinon, c'était adios le bulkhead avant. Alors, est-ce que c'est nécessaire cette vitesse dans cet engin? Je dis non. Donc là aussi, on va mettre un pignon plus petit. Je sais pas ce qu'il y a dedans d'origine. Certainement pas un 20, puisqu'on a les roues plus grandes. Alors là, tu joues avec 10-20% de la gâchette en bas. Dès que tu mets trop. Ouais, ben là j'ai profité, c'était mouillé. Évidemment que le punch à fond là, c'est beaucoup plus délicat à piloter que par rapport avec le vario d'origine. Donc on va remettre le vario d'origine. Et... Par contre, on descendra sur le pignon. Tu vois ça? Bon, au moins il monte. Alors je voulais descendre un peu plus la carreau. Je voulais donner un look un peu plus vraiment de boulette MT, mais il faudra que je coupe les plots de carreau pour descendre plus loin. Là, c'était un réflexe, pas forcément un bon, tu vois. Le nez a piqué, j'ai récupéré l'assiette, mais très près du sol. Donc évidemment, c'est la transmission qui mange. Rires.
Oh la vache! Oh, mon pauvre petit boulot! Il faut savoir que ce machin il a poussé, sorti de rien du compost dans un coin du bac à fraises. Voilà, je l'ai bichonné jusqu'à ce qu'il grandisse. On va peut-être le laisser tranquille le pauvre. Hein. Watch. Ouais, il faut vraiment tout chouiller les gars. Hein. Ouais, ça aussi c'est un nouveau verbe. Je tout chouille, nous tout chouille. Que vous tout chouillez tout tat. Tout chouillez tout tout. Ah, c'est brutal à souhait. Alors là, tu vois, j'ai commencé à voir que j'allais louper la rampe. Soit je freinais, je m'emplafonnais lâchement dans le caillou. Et l'autre solution, hein, c'est comme ce qu'il dit genre jour de tonnerre. Dans le doute, tu mets plein gaz. Ça suffit pour slider avec le châssis sur le coin et repasser en haut quand même. Bon, après, c'est sûr que là, ouais, ça roulait comme ça sans arrêt. Évidemment, hein, y a pas de mystère, la machine va souffrir. Ça, là, vous imaginez pas de faire 100 packs sans casse. Surtout, pensez aussi aux transmissions. Là, les cardans, c'est sûr, ils morflent, mais ils font fusible. À un sujet, est-ce qu'il y a des... Parlez-moi de vos cardans, les mecs, sur ces Arma Forest. Est-ce que vous avez des soucis particuliers, comme avec Traxxas? Et est-ce que ces nouveaux cardans Traxxas aussi sont mieux? Puisque moi, ça fait longtemps que je ne roule plus avec ces télescopes. Et quelques fois, là où j'ai eu des engins, comme le Hoss, c'était pas le mien. Sur le Max, c'est sûr, je suis passé au cardan métal direct, puisque 6S tiendront pas, c'est sûr. C'est chouette les cardans cassables. Hein. Et allez, regardez, j'ai mis juste du Chatterton dessus. C'est tout. Et déjà, t'as un petit look. J'étais sûr d'être à côté. Allez, on va descendre à 75%. On va lui laisser une chance de survivre à ce run. Large assez, hein. Ah, décidément, là, le petit dévers, il me tire chaque fois sur le côté. Et j'anticipe pas assez.
Décidément. Méga. Ça, c'est un truc que j'ai appris à faire avec le X-Max. Profiter du rebond. Ah, je suis au fond. Joli. Je prenne des notes parce que si ça continue avec le confinement, on mettra des plaques en plastique partout où je peux slider. Ouf, oh. Je visais à côté, mais j'ai vraiment à un moment cru que j'étais dedans. Ouais, suffit large, hein, 75% pour mes faibles capacités de pilotage. Alors évidemment, c'est trade, j'ai mis la rampe vers le bas, donc ça fait des sacrées chutes à l'arrivée. Oh bon ça. T'as vu? Dès que je suis trop lent, j'arrive plus. Ouais, je m'amuse plus avec celui-là qu'avec le SC. Et là, il y a Bill qui transpire parce que... Bill, il s'est mis une option dessus. Il a dit, quand on a fait les essais, comment ça se passe? Ah, dommage. Passe, ça compte. Comment ça, non? Si. Eh. Moi, le patron, ici. Si je dis ça compte, c'est que ça compte.
tiens aussi à vous dire, comme vous l'a signalé Créa Décor dans un commentaire dernièrement sur une vidéo, faudra peut-être suivre un tout petit peu les vidéos de montage du UT4. Je sais très bien que ça n'intéresse pas beaucoup de monde, même moi franchement je m'ennuierais tout seul à regarder, mais n'oubliez pas qu'on a plein d'engins qui vont arriver à gagner et que ben voilà, on va peut-être lâchement faire des questions sur ces vidéos. Et j'ai aussi beaucoup plaisir à lire les commentaires justement quand on fait ces montages, des gens qui ont tout de suite repéré certaines erreurs. C'est chouette ça, hein, j'aime bien. Tu vois, ça n'a pas besoin d'être violent ni haut ni quoi que ce soit pour être marrant. Ouais, en 3S, le flip tranquille. Hein. Alors, ouais, j'aurais dû tenter un front flop parce que là on aurait au moins atterri sur le toit mais on serait en haut. Nul, Mani, nul. C'était les freins qu'il fallait. Double frein là, Mani, double frein. Hop. Ah, ça compte. Pas évident, hein. Ça pourrait être un challenge sympa aussi, ça. Net. Non, va le chercher. Arrête de massacrer le gaz. T'as vu ça, on fait ça gogo, encore et encore et encore et encore, alors qu'il meule. Et dis donc, c'était quoi cet acte de traîtrise là? J'étais bien moi, à essayer de slider sur le mur. Donc effectivement, comme on est bon à 75% des gaz là, ce qu'on va donc faire, c'est de diminuer pour voir de 25% l'étagement de transmission. Ouhou, ça compte. 25% l'étagement de transmission pour être pareil à 100%, mais du coup... Parce que je voulais faire un petit slide wall. Non. Décidément. Regarde, tu peux en inertie balèze comme tu veux, pauvre brindille, peut te la bloquer. La nature se venge toujours, les mecs. Oh. Ha
Là, je l'ai fait uniquement parce qu'on était déjà en train de balancer. Donc, il fallait en profiter. Mauvais exemple. Ne suivez pas cet exemple, surtout pas les ptios. C'est quand même le meilleur moyen de flinguer à pignon couronne, ou arbre de transmission et compagnie. Et cas échéant aussi, parfois, certains engins d'éclater les pneus. C'est moi le machin, il s'arrête plus. Oh. Alors la question maintenant, c'est est-ce qu'on a plus d'autonomie que le Senton, je pense, parce que la coupure là de du max, je l'ai réglé sur intermédiaire. Est-ce que Arma aurait pas d'office sur les petits leur petit Vario BLX mis la coupure sur élevé, ce qui est évidemment très prudent. What's the track, baby? Oh, qu'est-ce qui prend le ptio? Ça compte. Oh, ça c'était vilain. Le problème après, c'est que tu prends confiance et tu vas de plus en plus fort, de plus en plus loin. Tu tentes des trucs de plus en plus fous et résultat, tu arrives quand même à cette à la casse hein, au bout d'un moment. Plus doux comme atterrissage, tu peux pas. Oh, je t'aime bien, toi. Ça, c'est un truc évidemment aussi que le HPI Bullet a. Il faut lui laisser, c'est que. On a un châssis à luplat, il a une structure typée buggy, donc il est très stable au sol. Mais c'est clair qu'il ne peut pas faire la moitié de ça. Voilà. Alors. Ah la vache, on rigole. Très bien. C'est le moment de voir dedans. On va aussi voir où on en est avec le timecode. Alors, 23 minutes qu'on l'allume avec ce petit truc, c'est pas mal. Franchement, je peux pas dire que j'ai économisé la gâchette. Regarde à l'intérieur, hein, on en rentre un peu plus, mais tu vois, pas grand chose finalement. Rien à voir avec le SC. Que j'arrive pas à m'expliquer, c'est pourquoi on a moins de saleté collée aux roues arrière par rapport au SC. Ah mais c'est pourquoi, ouais c'est normal, c'est parce que la roue avant dans le SC elle bazarde contre la carrosserie qui retombe sur le train, alors que là on a la carreau ferme, donc tout est dégagé. Le pneu aussi, regarde, le pneu est plus vers la carrosserie, donc l'espace est beaucoup plus petit ici, tout ce qui est projeté ici, tu vois, est répercuté ici gauche droite, ce qui explique cela. Alors pare-choc avant, nickel. Arrière, nickel. Roulette, nickel. Bon, je crois qu'on n'est pas trouvé trop souvent encore sur la roulette pour l'instant. Hein. C'est vraiment celle qui me. J'ai la moins bonne sensation, c'est au niveau de la roulette sur cet engin. Elle est vraiment. Me paraît vraiment ferme. Alors. Moteur, là, ça monte un peu en température, mais ridicule. Bon, le Vario, lui, il rigole. C'est clair.
qui max 10 SCT. Alors on pourrait essayer d'expérimenter 4S en laissant la bride à 50%. Parce que le moteur, lui, 4S, ça va évidemment le faire mouliner à mort. On pourrait mettre un moteur un peu plus long, genre le 2000 kV. Pareil en 4S comme on a fait dans le petit Team Magic, mais le Team Magic fait 4 kg fini et il est plus gros, plus petit que ça. Là on a que 3 kg. 3 kg 4, allez, on va être gentil en 3S. Et franchement, il s'en sort super bien. C'est pas la peine de chercher plus loin. Tu vois, j'ai roulé avec une Gen 5000 3S. Géant. C'est juste vraiment ça que j'aime pas. Tu vois, ça j'aime pas. Je vais mettre de l'huile plus épaisse comme on a fait dans l'SC. À l'arrière, on va laisser parce que ça se comporte bien. C'est un tout petit peu trop ferme, mais le comportement est bon. Donc c'est vraiment pour l'instant. J'en suis à quoi? C'est le quatrième pack sur chaque machine, donc 8 packs avec ces petits engins Arma. C'est vraiment, tu peux les laisser sortir de la boîte. Moi, ce qui m'embête, c'est ce petit cogging au démarrage que tu peux pas forcer, surtout avec le MT quand tu es en train de crapahuter machin, ça passe pas. Ça m'embête un peu, mais c'est pas grand chose, c'est un détail. Tu as vu, tu descends l'étagement de pignon, tu es parti, et sinon, tu es bien quoi. C'est peut-être que 3S 80 à l'heure, c'est peut-être un peu exagéré sorti du carton. À mon avis, s'il vise un 65-70, il suffisait, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui veulent que aller vite. Faut les satisfaire aussi, et puis nous on a juste à gagner moins de gaz,